Salut les amis, aujourd'hui en parlant de la requin-baleine, 10 choses à savoir sur le plus gros poisson du monde. Considéré comme le plus gros poisson vivant actuellement sur Terre, le requin-baleine, de son nom spécifique Rhynchodon typus, fascine malheureusement ce poisson cartilagineux apparu il y a 400 millions d'années et peu connu, les scientifiques n'ont pas encore percé tous ses secrets. Voici donc ce qu'on le sait de ce requin hors norme, tempérament plutôt solitaire. Il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le requin-baleine est un poisson géant. En effet, il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long, même si la plupart des individus mesurent généralement entre 4 et 14 mètres. À titre de comparaison, le gros requin blanc peut mesurer jusqu'à 6 mètres, de la baleine bleue 30 mètres de long. Il peut mesurer jusqu'à 34 tonnes. Non, seulement le requin-baleine est gros, mais le plus est gros. Cette 34 tonnes, ce n'est pas en comparaison aux 170 tonnes de la baleine bleue, mais tout de même, il ne fait oublier que le requin-baleine est un poisson et pas un mammifère marin. Il n'a pas d'autres prédateurs. Le requin-baleine avoue que sa taille gigantesque n'a pas de prédateurs naturels. Quand bien même il possède de la peau le plus dure du règne animal avec 15 cm d'épaisseur qui lui confère un bouclier naturel. En revanche, il n'est pas rare que ces petites qui ne mesurent plus de 1 mètre ou 2 mètres soient attaquées par des orques ou des requins. Au final, le seul prédateur du requin-baleine est l'homme. En effet, la chair et les ailerons, ce gros poisson, sont particulièrement appréciés par le pays asiatique et se vendent à prix d'or. Il est en fait pour l'homme, même si le requin-baleine impressionne par sa taille, il ne reste pas moins complètement inoffensif pour l'homme. Son caractère placide la pousse à même se laisser approcher, se rechigner. Son régime alimentaire se rapproche plutôt de celui de la baleine bleue que celui du requin. En effet, le requin-baleine se nourrit essentiellement des planctons et des petits poissons. Il vit dans les eaux tropicaux. Le requin-baleine est présent dans les eaux chaudes du monde entier, qu'il se soit dans l'océan Pacifique, l'océan Indien ou l'océan Atlantique, nage généralement en surface à une vitesse de croisière de 5 km à l'heure, ce qui lui vaut de nombreuses rencontres avec des plongeurs. Il peut vivre plus de 100 ans. Même si le plus vieux spécimen de requin-baleine observé a vécu jusqu'à 70 ans, on estime que son apparence de vie peut atteindre les 100 ans, voire les 150. Sa bouche peut mesurer jusqu'à 2 mètres de large. Ce qui impressionne le plus de la requin-baleine, c'est son immense bouche qui lui permet d'avaler des bons entiers de poissons, pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de large. Ce qui lui permet notamment à filtrer pas moins de 2000 tonnes d'eau par heure. Il possède 3000 dents. Le requin-baleine reste un requin, mais il ne comporte pas comme tel. Ainsi, il possède 3000 toutes petites dents réparties en 300 rangées par mâchoire. Ses taches blanches sont uniques. Le requin-baleine a la particularité d'avoir un peau qui ressemble à un damier, mais le chercheur a récemment découvert que la forme et le positionnement des taches blanches de requin-baleine étaient uniques pour chaque individu. Ces taches blanches sont donc le moyen le plus sûr d'identifier un requin-baleine puisqu'ils constituent son empreinte digitale en quelque sorte. On ne sait pas combien ils sont, même si l'on ne sait pas l'espèce dont désormais menaçant, notamment à cause de sa pêche intensive à destination du marché asiatique, les scientifiques ne savent pas combien de requins-baleines vivent dans nos mers et les océans. J'espère que ça vous plaisait la vidéo, laissez un like pour me soutenir et inscrivez-vous à la chaîne. Merci!